Les vacances se poursuivent pour Vemalama Chave. Après avoir fait un petit road trip en van avec son compagnon Nicolas Fleury, Miss France 2019 a posé ses valises en Corse. Une fois de plus, c'est aux côtés de son cher et tendre qu'elle a souhaité découvrir l'île de beauté. Et le 27 juillet 2021, elle en a profité pour passer la soirée avec des amis parmi lesquels Guillaume Play et sa femme Agathe qui semblent aller mieux depuis le drame. En story, Vemalama Chave a tout d'abord partagé une photo sur laquelle le présentateur de QG et elle mangent une glace en pleine rue. À l'instar de l'ancienne reine de beauté, Guillaume Play affiche un grand sourire. Puis, après une petite virée à la plage, ils se sont retrouvés pour passer une soirée avec d'autres amis. Vaille n'a pas manqué d'immortaliser ce beau moment. On peut ainsi voir le présentateur de 35 ans toujours aussi souriant. Avec son fils Guillaume, 7 mois, dans les bras. À ses côtés, sa belle Agathe est tout aussi heureuse entourée de la Miss, de Nicolas Fleury et d'autres proches. Des photos qui font plaisir à voir, surtout quand on sait ce par quoi la femme de Guillaume Play est passée récemment. Le 8 juillet dernier, le domicile de l'ancien animateur de M6 a été cambriolé comme l'avait dévoilé le Parisien. Selon les informations de nos confrères, Agathe et la nounou ont été violemment agressés par les trois hommes qui étaient armés. Ils auraient profité de l'absence du papa de Com, qui s'était rendu au festival de Cannes, pour faire leur coup. Fier de ma femme, mon fils et ma nounou. Les plus courageux du monde. Avait-il réagi sur Instagram. Désormais, on espère que ce traumatisme est derrière eux.